peut-être. Voilà, pardon. Bonsoir, je vais me présenter donc, pour l'ouverture de cette conversation ce soir à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui s'intitule « Paysage en éclat ». J'ai la lourde tâche de la modération. Donc, je suis Raphaëlle Berthaud, historienne de la photographie, enseignante-chercheuse à l'Université de Bordeaux et auteure du livre « La mission photographique de la DATAR, un laboratoire du paysage contemporain » paru en 2013 à la Documentation française. Alors, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui une rencontre vraiment entre deux ouvrages photographiques, deux essais sur le territoire français, deux approches des paysages de l'extrême contemporain. A priori, rien de commun dans ces deux travaux. L'un présente les images de 43 photographes, quand le second est constitué d'un monologue visuel d'un architecte. L'un a pour ambition de nous parler de l'ensemble du territoire visuel, du territoire national, quand le second se concentre sur une infime partie qu'est le plateau de Saclay. Et pourtant, ces deux démarches, qui se veulent chacune exploratoires, se rejoignent dans un questionnement photographique, cherchant à donner forme au paysage d'aujourd'hui, à travers une profusion d'images témoignant de la multiplicité des points de vue, autant que de l'insistance d'un regard. Il s'agit ici peut-être de revenir plus sur les traits saillants de ces deux projets, sur le rapport qu'ils instaurent avec le territoire, le statut qu'ils accordent à la photographie, et à la compréhension qu'il propose de la notion même de paysage. Alors je vais peut-être présenter plus formellement les acteurs en présence, les ouvrages, puis mes interlocuteurs de ce soir. Donc France Territoire Liquide est un ouvrage qui a été édité aux éditions du Seuil dans la collection Fiction & Co. En 2014. France Territoire Liquide, c'est un projet qui a été initié en 2011, par quatre photographes français, Jérôme Brésillon, Fred Delangle, Cédric Delceau qui est avec nous ce soir et Patrick Messina, dans la lignée de la mythique mission photographique de la DATAR des années 80. Donc c'est un collectif indépendant, affranchi de toute commande, qui va progressivement se développer pour finalement rassembler 43 photographes et y associer un directeur artistique en la personne de Paul Wombel. Les 41 séries photographiques représentant, alors, je n'ai pas réussi à avoir le nombre exact, près de 500 clichés, peut-être qu'on me reprendra sur ce nombre-là, constituent le résultat de cette mission d'un genre nouveau et sont présentés pour la première fois en 2014 au Tripostal à Lille et depuis dans un certain nombre d'expositions avec des présentations de parties de la mission qui est un ensemble extrêmement important. Donc l'ouvrage a été publié la même année au Seuil par Bernard Comment ici présent, préfacé par Jean-Christophe Bailly. Il ne constitue pas un catalogue thématique, ça évite tout ordonnancement typologique ou topographique. Il s'agit de signifier le caractère résolument hors sol de cette proposition, un parcours visuel qui s'abstrait tant du déterminisme de la forme photographique que de son référent pour proposer un inventaire à l'après-verre, où la précision du détail photographique est alliée à l'incomplétude de l'énumération. Un parti pris volontairement erratique, afin de laisser toute liberté à chacune des propositions photographiques de se déployer sans allégeance au collectif, alliant la puissance de la singularité à la synthèse de la multitude. Pour parler de ce projet, nous avons donc ce soir avec nous Cédric Delceau, qui parcourt, je le cite, la frontière de plus en plus ténue entre la fiction et la réalité, et j'aimerais qu'on parle de fiction ce soir. Donc d'abord connu pour ses campagnes de publicité, il va produire depuis un certain nombre de séries personnelles. La première, Nous resterons sur Terre, est publiée en 2008. Puis on va avoir Dark Lens, qui va être publié aux éditions Xavier Barral en France en 2011, dans lesquelles Cédric Delceau introduit des personnages de la saga Star Wars dans la vie réelle de la banlieue parisienne, de Lille ou de Dubaï. Il réalise également 1784, où il enferme 17 comédiens dans un château pendant 7 jours, en les faisant vivre comme au XVIIIe siècle. Dans Zone de repli, sa proposition photographique qui va être insérée à l'ensemble France Territoire Liquide, il s'est penché sur un fait divers devenu célèbre, celui de Jean-Claude Roman, un imposteur qui a tué toute sa famille après 18 années passées à errer dans le pays de Gex, en faisant croire à tous qu'il était un brillant médecin-chercheur.
On est là ici hein, dans un travail qui mêle de façon régulière fausse réalité et véritable fiction, dans un catalogue raisonné de notre déraison. Bernard Comment, alors la présentation est un parcours, il s'agit là d'un parcours beaucoup plus pluriel, on va dire. Vous me reprenez si je ne souligne pas les bons éléments. Donc, vous vous êtes formé à Genève chez Jean Starominski et à Paris chez Roland Barthes. Puis vous avez travaillé à l'université de Pise, 3 ans comme chercheur à Paris dans l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous publiez votre premier roman, L'ombre de mémoire, en 90. De 93 à 94, vous faites un séjour d'un an à la Villa Médicis, chose que vous avez en commun avec Antoine Vial, ici présent. Vous avez coécrit des scénarios de films, écrit un certain nombre d'ouvrages. Vous avez été, dans les années 80, secrétaire de la Fédération suisse des joueurs de football, puis nommé directeur de la fiction à France Culture en 99. En 2005, vous prenez la succession de Denis Roche comme directeur de la collection Fiction NC aux éditions du Seuil. En 2010, vous êtes l'éditeur de Fragments sur les écrits intimes et poèmes et lettres de Marilyn Monroe. Et depuis octobre 2011, vous êtes conseiller de programme à Arte. Et peut-être que vous nous parlerez un peu du lien entre ces projets audiovisuels et France Territoires Liquides, ce projet photographique. L'autre ouvrage que l'on présente ce soir est celui donc d'Antoine Vial, ici présent, Paysages superposés, Saclay Panorama, publié aux éditions Kaiserine en 2014. La première chose qui frappe dans l'ouvrage d'Antoine Vial, c'est l'accumulation des images. 2300 photographies qui sont organisées pour la plupart sous la forme de planches contact numériques. À travers les clichés, l'auteur nous propose ici d'aller l'accompagner dans son parcours sur un plateau de Saclay, avec parfois quelques arrêts sur un parking, un rond-point ou une intersection. On suit son regard d'un côté et ses réflexions de l'autre. Le texte en fait se détache de l'image puisqu'il est présenté dans une lecture format paysage, dans une déambulation donc littéraire et visuelle qui présente l'insistance d'un regard. Au cœur de l'ouvrage se propose un essai qui propose une réflexion plus générale sur les aspects de cette France urbaine et une conversation avec le paysagiste Gilles Clément. Le parcours d'Antoine Vial est celui d'une formation initialement d'architecte. Alors, c'est quelque part. Je vais y arriver. C'est plus court. Je l'ai. En 2007, vous obtenez le diplôme d'état d'architecte à l'École nationale supérieure de Paris-Belleville. Entre 2009 et 2012, vous participez au programme de recherche « Écrire la ville » dirigé par Rudy Bohr à l'École nationale des arts déco de Paris. Et c'est un programme qui va avoir un lien avec le développement de ce projet sur le plateau de Saclay. Entre 2010 et 2011, donc, vous êtes résident de la Villa Médicis. Et depuis 2013, assistant scientifique au laboratoire d'architecture et de mobilité urbaine à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc vos recherches portent sur un paysage que vous désignez comme infrastructurel, sur la perception du territoire, dans l'espace physique des aménagements urbains, hein, qui sont vraiment le sujet de ce travail, de cette exploration photographique, et dans l'espace graphique aussi de ces représentations. Donc l'ensemble de ces deux ouvrages et de ces approches croisées entre photographes et architectes propose une vision d'un paysage que l'on peut dire en éclat. Donc l'idée, cette formulation est volontairement ici polysémique puisqu'elle peut évoquer à la fois la déchéance d'une unité disloquée ou la richesse d'un rayonnement pluriel. C'est finalement ici une figure du kaléidoscope que je voudrais vous proposer et peut-être que l'on sera amené à discuter. Cette figure permettant de réconcilier les termes apparemment opposés de la permanence et du changement, de la pluralité et du singulier, puisque composé de fragments, qui est une dimension éminemment photographique, le kaléidoscope permet par les assemblages de ces fragments de proposer une série de combinaisons et de composer des images complexes et régulièrement renouvelées. Les éclats photographiques du territoire français sont ici coordonnés, juxtaposés, superposés,
pour dessiner peu à peu les contours des paysages de notre modernité. Alors je vais ici m'adresser donc aux auteurs, photographes, architectes, éditeurs ici présents, et peut-être poser la question préliminaire de la genèse de chacun de ces travaux, puisqu'il y a quand même une forte concordance hein, de ces propositions qui utilisent un médium commun sur un sujet qui est parent, et donc peut-être poser un peu la question d'où émergent, d'où viennent ces projets sur le plateau de Saclay, sur France Territoires Liquides, et quelles étaient leurs ambitions premières. Alors, ce livre-là, c'est le résultat de, disons, trois sources, de la plus ancienne à la plus récente. La genèse de ce travail-là et de ce que j'ai fait par la suite, ça a été mon diplôme d'architecture et qui portait sur déjà un territoire, disons une enclave agricole dans la très grande périphérie parisienne, et le désarroi que j'ai rencontré à ce moment-là. Quant à la compréhension ou l'incompréhension que je pouvais avoir de ce territoire et la difficulté que les outils que j'avais à ma disposition en tant qu'architecte m'offraient pour lire ce paysage-là. Donc ça, c'est vraiment la haute source ancienne. Après, ce travail, il a commencé donc dans ce programme de recherche qui portait sur les différentes modalités d'écriture de la ville et dans le cadre duquel moi je m'étais proposé de travailler sur la façon dont s'écrivent les limites de la ville. Et donc au départ de ça, ça a été une volonté d'aller regarder, puisque c'est un constat que j'ai pu faire rapidement, disons on n'était plus en présence d'un dispositif comme unitaire qui aurait donné sa forme ou qui continuerait à donner sa forme à la ville comme ont pu le faire les enceintes ou les périphériques à un moment donné. Et donc, la genèse de cette démarche-là, ça a été d'aller voir comment s'écrivaient les limites de la ville, à la fois dans l'espace physique, et puis en parallèle, ça a donné lieu à d'autres travaux qui sont encore inédits, comment ces limites s'étaient aussi matérialisées dans l'espace graphique des représentations, et notamment dans la cartographie, et dans les nouvelles formes de cartographie qu'on trouve aujourd'hui virtuelles. Et puis, la troisième source plus immédiate par rapport à cet objet-là de livre, ça a été un questionnement que j'ai initié avec les concepteurs graphiques de ce livre, l'atelier Musli, sur la façon dont je pouvais faire exister les quelques 5000 photographies, puisque là, il y en a 2300 à peu près dans le livre, mais en tout, je pense que j'en ai accumulé dans le cadre de ce programme de recherche et puis de ma documentation à peu près 5000. Quelle existence physique ou quelle existence tout court on pouvait donner à cette accumulation d'un certain type de photographie qui est la photographie numérique, puisque j'ai fait ça avec un appareil numérique et qu'elle n'existait pour l'instant que dans mon ordinateur. Et donc, quelle matérialité et surtout quelle modalité de lecture, quel rapport on pouvait établir à ces photos, et ça a été le point de départ de ce questionnement sur ce livre. Bonsoir. Alors, la genèse de notre projet, ça va avoir l'air d'être inventé, pourtant ça s'est vraiment passé comme ça, c'est vraiment parti d'une soirée arrosée, où dans ces soirées-là, où tout est possible, où on se permet tout, et on se permet de rêver tout haut, et d'y croire au moins le temps de la soirée. Et vraiment, on était quatre, donc les quatre photographes que tu as cités, et on s'est mis à rêver tout haut. En lien, pendant cette soirée-là, on a beaucoup parlé de cette fameuse, on en reparlera je pense, de cette mission qui est devenue mythique pour bien des photographes de paysage dites de la Datar. Et donc voilà, c'est parti de cette soirée où à quatre, on a eu une espèce d'envie de collectif, ce qui est assez rare chez les photographes qui sont plutôt des gens solitaires, mais réunis autour de cet héritage de la Datar, on s'est dit de manière très, très directe, mais pourquoi est-ce qu'on ne reconstruirait pas ce genre de collectif aujourd'hui, là, maintenant? Donc on a fait tout de suite le constat que
on ne serait pas aidé, que s'il fallait le faire, il fallait se prendre en main. Mais peut-être était-ce la bonne humeur de cette époque, le bon champagne, on y a cru tout de suite et on s'est dit que c'était possible, qu'il y avait quelque chose à faire, que je crois qu'à l'origine, ça devait être renouvelé tous les 25 ans, il y avait ça un peu dans le projet, qu'on était à plus de 30 ans, qu'il n'y avait rien, rien de prévu. Et donc on s'est dit, bah, lançons-nous, et pour faire... Évidemment, ça ne s'est pas fait là en une soirée, mais le mouvement déjà a commencé pendant cette soirée-là. Et puis après, on s'est dit simplement, bah, on va appeler des gens qui travaillent sur, à leur manière, sur le paysage français. Voyons si ça les intéresse, voyons ce qu'ils en pensent. Et à chaque fois, quand on évoquait le nom de la DATAR, de refaire un type de collectif, évidemment, on sort faire la même chose, mais un peu de s'inscrire dans cette lignée-là, on a eu, à de rares exceptions près, un véritable engouement. Et c'est comme ça qu'est né le collectif, qui s'appelait évidemment pas à l'époque France Territoire Liquide, mais en tout cas le collectif, qui pendant un an d'abord s'est réuni dans des bars, a beaucoup parlé, et puis après a commencé vraiment à travailler. Quel était le nom original du collectif ? Il m'intéresse, parce que je voudrais en reparler. D'accord. Alors, au départ... c'était un peu compliqué parce qu'évidemment, nous, on était quand même quatre photographes, pas forcément lambda, enfin, si, quatre photographes, voilà, pris dans... Et se dire, à nous tout seuls, on va relancer une mission comme la mission de la DATAR, évidemment, ça pouvait paraître un peu prétentieux. Donc on s'est dit, bah, surtout, on va essayer de trouver un nom qui parle de nous et puis quand même qui essaie de faire redescendre les choses. Et nous, on le fait par goût, par plaisir de la photo, on ne le fait pas... par une ambition démesurée tout d'un coup de marquer, de laisser une trace quelconque, mais parce qu'on a envie, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie d'y croire et qu'on a envie de faire quelque chose. Donc on cherchait comme ça un petit nom qui puisse résumer tout ça. Et puis donc on s'est appelé WAF, WAF en anglais, c'est-à-dire que l'acronyme c'était WAF, We Are French, et We Are French parce que voilà, on disait, on s'assumait français, mais en même temps, il ne suffisait pas d'être français, enfin, il n'était pas nécessaire d'être français, il fallait vivre en France ou travailler sur le territoire français pour pouvoir prétendre en faire partie. On ne voulait pas inviter des gens spécialement pour venir. On se disait, bah, tiens, il y a des gens, il y a des étrangers ou des Français qui travaillent sur ce territoire, et ben, demandons-leur de produire un nouveau projet en lien avec leurs précédents travaux, et voilà, parce qu'ils ont ce lien préétabli, préalable avec la France. Et donc, We Are French aussi, ça c'est lié parce que on réfléchissait à la façon dont on allait pouvoir coordonner l'ensemble de ces travaux, puisque quand on s'est mis à travailler, on a vu que les gens travaillaient de manière à la fois solitaire, mais des fois finalement très... opposées les unes avec les autres, et qu'il nous fallait un lien parmi tout ça, et on ne voulait pas que ce soit nous, les photographes du départ, ou même un quelconque photographe, qui donne la ligne et qui choisisse de garder ou pas tel ou tel travail. Donc on a fait appel à un curateur étranger, pardon, un directeur artistique, et on s'est dit aussi, parce que quand on l'a appelé, il a été tout de suite le plus enthousiaste, que c'était peut-être un petit pied de nez, parce que justement l'institution française aujourd'hui n'était plus à même ou plus capable de monter ce genre de projet, et que peut-être aussi d'avoir un directeur artistique étranger allait nous permettre de sortir des petites guéguerres de chapelle, et qu'il allait peut-être avoir une vision pas objective, mais un peu plus de distance. Et donc voilà, on lui a un peu confié les clés de la mission. Et donc le We Are French, c'est aussi une petite adresse tout spéciale à notre directeur artistique. Alors justement, je pense qu'on pourrait insister un petit peu sur cette question nationale, hein, de ce projet donc, qui s'inscrit dans une idée de revendiquer le fait d'être en France, d'être sur ce territoire national. Peut-être au départ, hein, dans une forme d'identité avec cette mission photographique de la DATAR qui couvrait elle aussi le territoire national, mais qui va poser assez vite la question de ses limites,
avec ce titre donc, qui est proposé par Paul Mambel, France territoire liquide, avec lequel Paul Mambel, dans le texte hein, qu'il écrit dans la mission photographique de la Datar, Nouvelle Perspective, va dire que voilà, cette France est quand même si particulière puisqu'elle confie régulièrement à la photographie le soin de définir son identité. Et je voudrais peut-être poser la question à Bernard Comment sur cette question un peu de la réception comme ça d'un projet qui veut parler de la France, veut parler de cette condition nationale dans un contexte politique où cette idée nationale est à la fois complexe, reprise, déviée dans beaucoup de sens. Donc voilà, il y a eu une volonté de l'éditeur à un moment donné de marquer une façon de penser ce territoire national ou cette nationalité. Il faut laisser sa part au hasard aussi. Hein. Tout n'est pas dans une intention. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des questions qu'il ne faut pas se laisser voler ou confisquer, et en particulier par le politique. Le politique brûle beaucoup de choses. Quand il s'empare d'un terme, il le brûle très vite, il le déforme, et il le rend extrêmement délicat à reprendre. Il se trouve que dans un passé quand même très proche, on a eu sur la question de l'identité nationale à peu près ce qu'on pouvait imaginer de pire comme déclinaison politique et administrative, comme récupération, volonté de récupération politique de cette question qui demeure une question extrêmement sensible, intéressante. Quand vous êtes écrivain, comme c'est mon cas, se pose la question, écrivain italien ou écrivain espagnol. Moi, étant suisse de naissance, mais aussi français, enfin double nationalité, cette question évidemment m'intéresse. Il se trouve qu'en 1998, j'avais fait un film commandé par la télévision suisse sur ce que c'était que ce qui pouvait réunir les Suisses ensemble à travers la métaphore de la fourmilière. Et que quand vous avez évoqué ça, quand je suis arrivé à Arte, dans ce moment justement où la question de l'identité nationale se posait mal, j'ai eu envie de la reposer et de proposer une collection qui a vu le jour, dont seulement 5 films à ce jour ont été programmés à l'écran, mais la suite va venir, il y en aura 18 en tout. C'est une série qui s'appelle L'Europe des écrivains, qui consistait précisément à penser que la parole des experts est aujourd'hui dévaluée, fatiguée, et qu'il fallait revenir vers autre chose, c'est-à-dire notamment une parole d'écrivain ou une parole de créateur, pour réfléchir à ce que c'est que être espagnol, écrivain espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme accumulation de souvenirs, d'expériences, de transmissions fragmentées, de mémoires, de vécus, d'événements historiques qui tout d'un coup peuvent se cristalliser dans un adjectif ou dans un substantif. Et il se trouve que à ce moment-là, c'était une chose assez délicate à avancer, si vous voulez, parce que précisément le terrain a été brûlé. Et à peu près à ce moment-là, Jean-Christophe Bailly travaillait à un projet qu'il m'avait présenté avec beaucoup d'enthousiasme, qui dans un premier temps m'avait un peu étonné. Il voulait faire un film sur la France. Et justement, je me disais, tiens, c'est bizarre quand même que Bailly, qui pour moi est justement quelqu'un qui ouvre beaucoup les frontières de la pensée, qui est traversé par beaucoup de cultures anglophones, germanophones, italiennes, qui est un livre comme Phèdre en Inde, que tout d'un coup il éprouve ce besoin de dire ce que c'est que le territoire, m'a à la fois étonné, mais beaucoup intéressé. Et pour ceux qui ont lu ce livre, qui s'appelle donc « Le dépaysement », que j'ai publié dans ma collection Au Seuil, ils se souviendront peut-être que l'éventuel, ou un des éventuels démarrages de ce livre, c'est le fait qu'il se retrouve pour un certain temps à New York, dans la chaleur de l'été new-yorkais, dans un appartement, et qu'un soir,
passe sur une chaîne de télévision la règle du jeu de Renoir, qui n'est pas évidemment n'importe quel film sur cette question-là, hein, et que entendre la langue, voir ce film, l'amène à s'interroger sur son appartenance à quelque chose qui a pour nom France ou français. Et c'est donc un peu dans cette atmosphère personnelle que, vivant avec quelqu'un, Nathalie Lacroix, qui travaillait comme bénévole autour de ce projet France Territoire Liquide, j'entendais parfois ces conversations téléphoniques et je captais cette expression de France Territoire Liquide qui d'emblée m'a paru extraordinairement prometteuse. Parce que, par une métaphore, et je crois beaucoup personnellement à la métaphore, voilà, la métaphore de territoire liquide, qui est presque un oxymore, parce qu'on a une vision en général figée, ferme, surtout en France, hein, la tradition barésiste et maurassienne, il y a quand même le territoire, c'est la terre. Avoir tout à coup cette proposition métaphorique qui propose une approche du territoire français armée de la liquidité me semblait extraordinairement beau, prometteur, et donc à un moment donné je me suis dit, enfin j'entendais qu'ils avaient un peu des problèmes pour trouver un lieu d'exposition, pour trouver le moyen d'éditer ça. Et je me suis dit, ben pourquoi je ne le ferais pas ? La question tenant au fond d'abord à l'expérience et au cheminement que je suivais de Jean-Christophe Bailly, au fait aussi que cette collection a été créée par Denis Roche et que Denis Roche est un photographe et a toujours prêté une grande attention à la photographie. Et puis parce que on fêtait en 2014 les 40 ans de la collection et que dans l'édition, en tout cas dans les grandes, ce qu'on appelle les grandes maisons généralistes, il est toujours très très important d'avancer avec des projets impossibles ou qu'on qualifie immédiatement lors de la première réunion, tout le monde vous dit c'est impossible, trop cher, trop lourd, trop épais, infaisable. Mais il faut avoir régulièrement des projets comme ça pour desserrer l'étreinte et regagner un peu de terrain éditorial. Et par le bénéfice aussi d'aide, et notamment du Centre National du Livre, c'était pas facile d'obtenir une aide parce qu'on était mal placés. On était, vous savez, des livres comme ça qui sont à la fois une teneur littéraire, pas seulement par la présence de Jean-Christophe Bailly, mais aussi par... les textes que chaque photographe a écrits et qui constituent, à mon avis, quelque chose de très fort. C'était ma première condition, de toute façon. C'était que je ne voulais pas faire un beau livre. Je voulais faire un livre qui soit une vraie aventure et qui nous fasse vivre chaque expérience de photographe. Ce qui supposait un certain nombre de pages consacrées à chaque photographe. Ils sont quand même 43, donc vous êtes tout de suite dans quelque chose d'ample. Mais je voulais aussi que chaque photographe, et ils ont été formidables, parce qu'ils ont tous accepté de fournir un effort ou une contribution qui n'est pas de leur compétence immédiate, et peut-être pas de leur désir immédiat, mais chacun a au fond un peu ouvert, textuellement ou à travers des documents, des pages de carnet, ouvert l'espace mental qui avaient accompagné leur regard posé sur cette question du territoire français. Et je disais qu'on était un peu entre deux, parce qu'il y a du texte, il y a de l'image, et quand vous allez au CNL, on vous dit « Ah oui, mais nous, c'est le texte, il y a beaucoup d'images. » Quand vous allez à l'image, on vous dit, je ne sais plus comment s'appelait l'autre institution, on vous dit « Ah non, mais vous êtes mal placé. » Bref. Mais le président du CNL, Vincent Monadet, a été très interpellé par ce projet, et on a fait, je crois, un souci personnel pour que le livre voie le jour.
Merci beaucoup pour cette présentation de la genèse aussi d'un projet éditorial et de la manière dont un rêve de photographe, de 43 photographes, peut prendre forme dans un ouvrage. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous soulevez et ce qui est vraiment marquant dans cet ouvrage, c'est la présentation. Alors je vais reprendre là à dessein le titre du texte de François Latarget, François Hers et Bernard Latarget, je les ai scindés en une seule personne, l'expérience du paysage. Hein. Donc c'est vraiment le fait de donner corps à cette expérience du terrain, du territoire ensuite, du paysage enfin, et de cette manière dont ces images, et je pense que c'est vraiment un point commun de France Territoires Liquides et de votre projet, la manière dont les images ne sont pas une question de regard, mais d'une expérience complète, d'une expérience spirituelle, d'une expérience individuelle, sensible. Voilà, on ne fait pas la même image si on la fait à la chambre, si on la fait au 24-36, si on la fait à 4h du matin. Enfin, voilà, je laisse une chose. Et ce que je trouve en plus très riche et très, très puissant, c'est le fait que chacun des photographes a eu le courage d'exposer les doutes, les errements, les moments d'aller et de retour, les projets avortés. Et ce qui donne une ampleur très particulière à cette vision de ces paysages français, de ces éclats photographiques qu'ils composent. Antoine Vial, vous avez travaillé sur une autre limite, finalement, pas celle d'un territoire national, mais cette limite entre la ville et la campagne, hein, sur cette frange, donc dans un espace plus ponctuel, le plateau de Saclay, et en même temps sur une question plus générique, qui est celle de cette généralisation de l'urbain, et en faisant aussi là le pari de cette expérience, une expérience assidue, d'une confrontation régulière au territoire qui donne cette profusion d'images que vous proposez. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la manière dont vous êtes confronté à ce paysage infrastructurel, si c'est bien ça ? La question c'est... La manière dont j'ai fait l'expérience de ce paysage, oui. Très basiquement, j'ai commencé par le fantasmer un peu en allant voir ce que ça pouvait donner sur Google Earth et quelle pouvait être un peu l'organisation de ce territoire, par où on pouvait y arriver éventuellement. Évaluer un peu quelques distances pour voir ce qui était faisable, et puis ensuite j'ai simplement pris un appareil photo et puis j'ai fait des parcours possibles, donc d'un RER à l'autre, en plusieurs jours, en plusieurs journées, à des moments différents, quand j'avais le temps, donc pas à différentes saisons, mais pas forcément en ayant choisi des saisons particulières. Et puis j'ai marché dans ce territoire, et puis quand il me semblait que c'était le moment, je prenais une photo. Ça a été ça l'expérience de ce territoire là et puis comme j'en ai pris beaucoup, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire dans quelle direction j'orientais mon appareil, à quel moment j'appuyais, où est-ce que j'avais les pieds au moment où je prenais la photo. Il y a des endroits où je me suis arrêté plus longtemps parce que je cherchais quelque chose, donc j'ai fait plus de photos. Le choix des images, enfin, disons la quantité des images et leur rythme peut restituer un peu ça. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que voilà, là, quand même, une des peu de règles que j'avais, c'est que je marchais sur la route. Et l'idée, c'était vraiment de dans ce territoire un peu particulier, puisque c'est un campus scientifique implanté au milieu des champs de betteraves, mais au sens littéral, sauf que c'est pas des betteraves. L'idée, donc, des lieux qui sont assez, pour la plupart, c'est des centres de recherche, donc ils sont plutôt fermés, c'est toujours à peu près la même chose. Il y a des bâtiments avec un parking et une entrée qui est raccordée assez directement sur des voies de circulation importantes. Et l'idée, c'était de ne pas rentrer trop, sauf à un moment, dans les enceintes des institutions, mais plutôt de rester dans l'espace qui n'est pas vraiment, pas à proprement parler l'espace public, mais en tout cas l'espace où tout le monde peut aller, c'est-à-dire celui de la route. Non plus d'aller complètement dans les champs qui sont là, mais c'était de rester un peu sur la route et de voir comment se lisait, comment s'offrait, comment se comprenait ou pas cette entité, qui n'est effectivement pas une entité nationale, mais il y avait quand même cette question, je ne m'en rendais pas compte en vous écoutant, mais disons peut-être pas identitaire, mais comment se reconnaît ce territoire-là.
Et après, disons, dans cette expérience-là, ce qui a compté, ça a été de suivre globalement ces routes. Mais par contre, étant donné que j'étais piéton et que je ne suis pas du tout allé là en voiture, j'allais en RER, ça me permettait de faire quand même un pas de côté, c'est-à-dire de me mettre sur la route, mais éventuellement au bord de la route, quand bord il y a, puisqu'en général il n'y a pas de trottoir, ou d'enjamber peut-être le fossé qui longe la route, et donc de percevoir les choses un peu différemment. Et ça a été, je pense, une des questions à l'œuvre au moment où j'ai fabriqué ces photos. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je me pose? Quel est le dispositif spatial en présence duquel je suis? Et donc d'envisager... Je rebondis sur cette... Ça, je l'ai élaboré après, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais... La pensée dominante, quand même, en tout cas dans les écoles d'urbanisme ou les écoles de sciences humaines qui s'associent aux questions urbaines, c'est disons que la lumière est essentiellement mise sur la question aujourd'hui de la mobilité, qui est un thème récurrent chez les chercheurs aujourd'hui. Avec cette notion du flux, il faut comprendre le territoire en termes de flux, donc il faut comprendre cette société dite liquide, puisque cet adjectif-là, il est aussi beaucoup repris dans les sciences humaines. Et en fait, au fond, je crois que ce travail-là, c'est quand même aussi une tentative, non pas de déconstruire ce qui est sans doute très proche de la réalité, mais de résister un peu à ce constat-là, en s'intéressant finalement moins, même si les questions de route, de bagnole et de l'espace de la circulation en permanence, d'essayer de résister un tout petit peu à cette, lecture du territoire sur le mode du réseau et pas sur le mode de l'espace et de la, disons, de l'air habité. Et donc ces photos-là, elles s'intéressent finalement moins à l'infrastructure de transport, la route en l'occurrence, moins au réseau et au système, mais disons aussi à ce qui reste littéralement au bord de la route. C'est-à-dire... les espaces qui sont traversés par la circulation, en l'occurrence c'est des champs, et le travail a été de documenter ou d'explorer cette rencontre ou cette non-rencontre entre la route et son contexte. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce soit sur la question du territoire national, du plateau de Saclay, de la limite entre la campagne et l'urbain sur cette frange qu'on essaie de reconnaître, d'appréhender, la photographie est sollicitée et pour autant, on n'est pas là ici dans une revendication d'une dimension documentaire. Elle n'est pas donnée comme témoignage, comme preuve, pour reprendre un certain nombre d'une typologie comme ça, mais à chaque fois penser comme une ouverture vers une fiction. Hein, donc voilà, peut-être revenir un peu sur ce statut qui est accordé à l'image photographique, où on la sollicite pour parler d'un territoire contemporain, le comprendre, l'appréhender, l'expérimenter, et pour autant en se détachant d'une dimension documentaire, en tout cas qui n'est pas revendiquée. Alors. Je prends juste un peu de souffle pour répondre, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a évidemment mon travail personnel, où je peux en parler plus facilement, et puis il y a les 41 photographes, 41 projets, 43 photographes, qui ont des pratiques parfois opposées. Donc c'est compliqué de résumer tout ça en disant oui, parce que même dans ce livre, non, il y a des pratiques, il y a des photographes qui utilisent soit le style documentaire, soit vraiment avec une volonté de documenter. Je pense notamment à ce GR de Stofflet et Mathieu. Ils ont, eux, vraiment, ils s'inscrivent dans une volonté claire, identifiée, de documenter le réel. Même si ça n'est pas, évidemment, une démarche que, dans mon travail, je privilégie. Donc c'est un peu la force et la fragilité qui est, je crois, bien résumée dans cette idée de territoire liquide de notre projet, c'était justement d'ouvrir au maximum toutes les pratiques photographiques. Et Bernard disait une chose très importante pour nous, c'est-à-dire la parole de l'expert. Nous,
on a voulu s'adresser, enfin, constituer un collectif donc, de photographes, c'est-à-dire qu'on n'est pas expert, on n'est pas expert sur la France. Ce n'est pas aux photographes de dire le futur de la France. On n'est pas, par contre, où on peut avoir une expertise, ben c'est dans sa propre subjectivité et dans la capacité à fabriquer un dispositif photographique personnel. Ça, je pense que, et c'est ça que nous on a repéré, et c'est ça qu'on a cherché quand on a voulu intégrer des photographes. C'est des gens qui ont la capacité de proposer un dispositif qui leur est propre. Et ils en font leur lecture, soit c'est par le biais de la fiction, soit c'est par le biais d'une expertise. Il y a par exemple Guillaume Bonnel, qui est aussi un chercheur en photo et qui est photographe, mais évidemment, il ne place pas son appareil, il ne dit pas les mêmes choses que quelqu'un comme moi, qui au contraire va plonger à fond dans la fiction. Donc on ne peut pas résumer d'un seul trait toutes ces pratiques-là. Voilà. Pour autant, c'est cette diversité qui fait, je crois, voilà, la grandeur et la fragilité de France Territoires Liquides. Moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans le projet de France Territoires Liquides et qui se ressent, je crois, dans le livre, c'est effectivement cette extrême variété. La spécificité, comme vous l'avez très justement dit, c'est que ici, vous n'avez pas d'institution à l'initiative de ce projet. Vous avez un collectif, quatre photographes, et ensuite, par cooptation, ça s'élargit, il y en a qui restent, il y en a qui sortent, et puis finalement, il y a un collectif de 43 photographes, mais qui ne constitue pas une communauté, ni générationnelle, ni stylistique. Rien, au fond, ne les rassemble que cette interrogation sur le territoire et la métaphorique liquidité du territoire. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de systématicité. On aurait pu imaginer, à un moment donné, de tirer des lignes et de dire, voilà, il faut qu'il y ait un peu de Bretagne, un peu de montagne, un peu de littoral, un peu d'urbain, ça. Il y a un peu de tout, en fin de compte, mais il n'y a pas de systématicité. Il y a des approches. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le territoire s'étend. Il y a des choses frontalières dans la frontière avec l'extérieur du territoire. Il y a des choses frontalières et un peu absurdes à l'intérieur du territoire. Par exemple, la série qui m'a toujours beaucoup amusé, et je ne regarde plus du tout les départements de la même façon aujourd'hui, la série de Defarens, qui est allée dans le département du Gard, voir justement aux limites du département, et repérer là où il y a rupture sur la route. Parce que d'un côté, dans un département, on a décidé de refaire la chaussée, mais on ne va pas la faire jusque chez les voisins. Donc on arrête à la limite du département, et vous avez tout à coup cette ligne absurde sur une route qui démarque, je dirais, budgétairement le découpage départemental de la France. Donc vous avez ces éléments de frontières, vous avez ces éléments de grande fluidité, et on a évidemment beaucoup, jamais accordé non plus trop d'importance aux couvertures, mais enfin, il fallait bien choisir quelque chose pour la couverture. On en a fait plusieurs avec la directrice artistique. Et puis finalement, on a retenu cette image-là parce qu'elle avait quelque chose d'un peu gazeux, d'un peu précisément liquide, et une espèce d'indétermination d'un territoire qui a l'air de ne pas se terminer ou de tomber dans on ne sait pas très bien quoi, et ça nous semblait résumer les enjeux. De la même façon, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la temporalité habite ce livre, et vous pouvez par exemple prendre quelque chose qui fait un clin d'œil aux origines de la photographie, comme la série d'Ambroise Thesnas,
avec, alors c'est des paysages urbains contemporains de Paris, mais avec une exposition, une ouverture très longue, qui fait que tous les éléments de circulation vont vers une forme d'abstraction et pour le coup de liquidité horizontale, qui rappelle évidemment les premières photographies où tous les éléments mouvants étaient soit absents, simplement absents, soit extraordinairement fantomatiques. Hein, et donc, vous avez dans ce paysage contemporain, enfin d'aujourd'hui, dans le Paris d'aujourd'hui, vous avez un clin d'œil aux origines même de la photographie. Et à l'autre bout, vous avez l'exploitation photographique de la plus stricte modernité, qui est la simulation du réel dans l'écran et dans les jeux vidéo, avec une espèce de nomenclature de l'architecture virtuelle des jeux par Thibaut Brunet, qui fait une espèce de nomenclature, de catalogue de l'architecture virtuelle de ces jeux. Donc vous avez là, tout d'un coup, on pourrait continuer cette analyse du livre, mais vous avez la grande ouverture de compas, au fond, de l'histoire de la photo, de l'histoire de l'image, à travers des approches extrêmement singulières. Et pour continuer, ce qui va rejoindre un peu ta question, on ne s'appelle pas paysage liquide, on s'appelle territoire liquide. Et ça, c'est assez important, c'est-à-dire que pour beaucoup de photographes, on est un peu gêné avec cette notion de paysage. Comme si le paysage, c'était quelque chose de culturellement très marqué et qu'on avait un peu du mal à travailler la notion de paysage, alors que celle de territoire qui serait, renvoie à une forme de relation personnelle, d'espace vécu avec le paysage, qui renvoie justement à une pratique, à une subjectivité qui fait que chaque photographe va pouvoir fabriquer son lien personnel et refabriquer son propre paysage individuel. Donc voilà, ça c'est dans les questions, notamment on parlait de sur l'intitulé d'aujourd'hui. Voilà, nous, on voit comment peut-être que les prochains paysages sont une accumulation de territoires, de pratiques, de photographes qui chacun aura apporté sa petite strate, et l'ensemble de ces strates constituera le prochain paysage. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit au début, parce que vous avez proposé un mot, et il mérite qu'on y revienne, qui est le mot mosaïque. Et je pense que effectivement, la conscience moderne, l'espace mental moderne est de l'ordre de la mosaïque, c'est-à-dire de l'ordre du fragment. On n'est plus dans un rapport à la réalité qui supporterait encore le fantasme d'une totalisation. Il se trouve que j'ai écrit il y a un certain nombre d'années un livre sur le phénomène des panoramas au XIXe siècle, et je trouve très intéressant que Antoine Vial reprenne ce mot de panorama pour au fond ne pas l'honorer, puisque c'est beaucoup plus de l'ordre de la mosaïque que du panorama au sens strict de reconstitution totalisante et circulaire d'une réalité ambiante, environnante, qui se déploie à partir d'un point de vue central. Et je crois que précisément aujourd'hui, une approche de quelques questions qu'elles soient, mais y compris l'approche de ce qui a l'air si solidement constitué, comme le territoire de la France, ne peut se faire que dans de l'affirmation du fragment et de la mosaïque. Il y a un très beau livre de Lucien Dellenbach qui a été consacré au motif de la mosaïque comme emblème de notre modernité, en quelque sorte. Antoine Vial, peut-être que vous voulez revenir sur cette question du panorama, puisque vous évoquez effectivement assez longuement les travaux de Bernard Comment dans votre ouvrage, donc peut-être refaire le lien entre votre proposition et cette question du panorama. Cette,
comment on pourrait appeler ça, ce dispositif du panorama et cette notion-là, elle existe un peu à deux endroits dans le livre. C'est marrant, ce livre a deux titres en fait, puisqu'il y a deux livres dans un même livre où là, on ne sait pas très bien lequel serait le sous-titre de l'autre. Et c'est drôle parce qu'au fond, j'ai mis Saclay Panorama. Et c'est vrai que la première ambition, c'était le panorama étant un des moyens de représentation du territoire les plus fascinants, les plus étranges, et puis en même temps qui a eu à un moment donné une puissance expressive très forte. L'idée basique, c'était de dire qu'est-ce que ce serait qu'un panorama contemporain. Et ce livre se voulant, d'une certaine manière, une tentative de proposer un dispositif qui serait la réactualisation du panorama. Et puis, mais évidemment, ça n'est pas un panorama. D'abord parce que c'est un livre, et puis parce que on n'est plus au 19e siècle. Mais à un autre endroit, cette question-là est réapparue, puisque dans la deuxième partie du livre, qui est les feuillets bleus qui sont au milieu, qui est un essai un peu plus théorique, j'essaye de comprendre comment fonctionnent, non pas ce, mais ces paysages desquels je suis en présence. Et à ce moment-là, il s'est avéré que le dispositif du panorama, et non seulement le dispositif du panorama, mais la lecture que vous en proposez, s'avère être très intéressante comme, une ligne avec laquelle je pourrais comparer un autre dispositif, lui aussi rond, qui est celui du rond-point. Après, cette question du panorama est revenue, mais j'en parlerai peut-être aussi par la lecture de Benjamin, qui est aussi sans doute un des grands livres qui a inspiré la fabrication de celui-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je terminerai en disant ça. Et donc dans cet essai, j'essaye de comparer finalement l'expérience de la ville comme paysage qui est proposé par le panorama et l'expérience de ce qui pourrait continuer à être appelé la ville telle qu'elle est proposée dans le rond-point. Et j'essaie de comparer les deux. Et dans les deux, il se trouve qu'il est beaucoup question d'artifice, c'est-à-dire d'un dispositif qui désoriente pour mieux orienter, puisqu'un rond-point c'est fait pour orienter, un panorama, selon Bernard Comment, c'est fait pour aider le pauvre citadin du 19e siècle à se situer quelque part dans la ville. Mais à la fois, dans les deux cas, on désoriente complètement. Et puis, dans les deux cas, il est aussi question de limite, d'une limite qui serait végétale, mais pas pareil, parce que dans un rond-point, le végétal, il se retrouve au milieu, dans le panorama, il est à l'extérieur, bref, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a des choses. Et puis, puisque c'est une question que vous avez soulevée, paysage, c'est vrai, c'est pas pareil, le territoire et le paysage, et puis moi, en ce moment, je suis beaucoup dans le milieu académique, et il se trouve qu'aujourd'hui, ces notions-là sont tellement fragilisées, remises en cause, etc., que tout le monde est extrêmement flippé à l'idée d'utiliser des mots comme paysage, territoire, ville. Alors si vous utilisez les mots périphérie, centre ou métropole, là tout le monde lève le doigt pour dire attendez c'est pas ça, etc. Et là tout d'un coup, vous m'avez rappelé que j'avais utilisé le terme paysage dans mon titre et j'ai commencé à prendre des sueurs froides en disant mais mon Dieu, comment ai-je bien pu oser utiliser ce mot-là ? Et puis après, je me suis rappelé de quel paysage parlait. C'est-à-dire que les deux paysages, en l'occurrence, qui sont superposés et dont j'ai essayé d'étudier le rapport, c'est le paysage des aménagements urbains, ces premiers plans de bord de route, d'espaces verts, d'espaces minéraux, et puis le paysage qui est derrière, qui crève les yeux, qui prend les trois quarts des photographies et les trois quarts du champ bien plus du champ visuel lorsqu'on est dans ces lieux-là, mais qu'on ne voit pas, qui est le paysage agricole. Et j'ai été rassuré à ce moment-là parce que j'ai réalisé que mon livre n'était pas une tentative de faire paysage, parce que c'est surtout pas ce que j'essaie de faire. Faire paysage étant proposer un standard culturel qui permet de reconnaître un paysage, de le lire, de l'apprécier, etc. C'est pas à cet endroit-là que j'utilise le mot paysage, c'était plutôt pour convoquer
Ces deux paysages, tels qu'ils sont institués, et je termine là-dessus, par finalement les institutions du plateau de Saclay, c'est-à-dire d'un côté la nature, de l'autre la ville, le tout étant un territoire d'excellence, puisque c'est comme ça qu'on dit, et en même temps, c'est pas du tout ça qu'on voit. C'est pas du tout de ça, c'est pas du tout de ce territoire-là duquel on est en présence dans ce lieu-là, et donc c'est voilà. Moi, je rebondis juste, et au contraire, moi, le fait que vous ayez mis paysage au pluriel et qu'il soit superposé, je pense que on décrit à peu près exactement la même chose, et que dans mon exemple précis, là, si je parle de ma série à moi ou de même de mon travail à moi, je fais systématiquement en fait ça, mais sauf que je superpose pas, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme de paysage intérieur, c'est-à-dire ce que ma propre perception, la façon dont je déforme les choses, consciemment ou pas, et puis il y a ensuite la réalité du paysage que j'affronte. Quand je décide d'aller photographier le pays de Gex, je ne connais pas cet endroit, je n'ai pas d'attirance particulière pour le lieu, tout d'un coup je suis fasciné par un fait divers, par le livre d'Emmanuel Carrère, je me bâtis une propre mythologie, un espèce de paysage intérieur, et ensuite je viens superposer à la réalité de ma perception, et ça fait donc des paysages superposés. Donc au fond, je pense que notre pratique elle est différente, mais non, elle a peut-être elle a le même ressort, et elle travaille la même les multiples couches comme ça qui viennent s'entremêler. Donc il y a, que ce soit dans le territoire physique, c'est-à-dire ce que vous décriviez très bien, et, mais aussi voilà, des paysages intérieurs, aussi le réel et le virtuel, tout ça se mélange de plus en plus, et donc on est dans cette succession de strates, et au fond il n'y a plus un paysage, mais il y a des paysages dans un même lieu. C'était pas du tout une critique hein, que je faisais, c'était au contraire un compliment. Et moi ce qui me frappe, c'est que vous avez employé alors vraiment plusieurs fois le mot tentative, et je pense qu'on est exactement là, c'est-à-dire on est dans le temps de la tentative. Et ça renvoie d'ailleurs à deux très grands livres littéraires, qui est celui de Claude Simon, Le Vent, sous-titré Tentative de restitution d'un retable baroque, et puis Pérec, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Mais tout est dans notre position aujourd'hui, en tant que porteur quand même d'un impératif de modernité, c'est la tentative par rapport au fantasme exprimé autrefois par l'idée d'une saisie panoramique. Alors, comme vous avez commencé à l'évoquer, je pense qu'on pourrait se tourner vers ces livres que l'on a donc issus des collections de la Cité pour les présenter ce soir un peu comme des livres référents ou qui auraient une place hein, dans les genèses, les imaginaires, faisant suite à ce travail. Et un peu en suite de ce débat, je vais commencer par présenter celui que j'ai demandé, qui est donc paysage au pluriel, photographie au pluriel, travaux en cours, tentative, exploration, le véritable nom c'est travaux en cours, mais donc qui est donc le catalogue, un des deux catalogues de la mission photographique de la DATAR, celui qui est un catalogue dit d'étape hein, de 85, auquel va suivre celui de 89, qui s'intitule De nouveaux paysages photographiés au pluriel, la France dans les années 80, et donc qui clôt la mission. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que finalement on a aussi une genèse hein, dans ce projet qui est vraiment une figure mythique et fondatrice hein, d'une pratique photographique, en tout cas en France, d'un rapport photographique au territoire, d'une expérience et d'une exploration. C'est intéressant de voir que les termes du débat soulevé ce soir se retrouve sur la couverture de cet ouvrage dans les pluriels et dans les tentatives. Alors comme vous avez commencé à l'évoquer Antoine Vial, peut-être que vous pouvez nous proposer une présentation un peu des deux ouvrages que vous avez sollicités pour ce soir donc qui sont Paris, capitale du 19e siècle de Walter Benjamin, le livre des passages.
Donc, quelle place tient ce livre dans votre démarche, dans votre réflexion d'architecte, de photographe, d'auteur? Je commencerai par parler de celui-là. Ah bah. Je pensais qu'il était sur la table parce que l'un d'entre vous l'avait désigné comme un des livres de référence. Et puis, moi, je me disais que ce n'était pas un de mes livres de référence. En tout cas, que je ne pouvais pas m'identifier à ce livre-là. Pour un simple détail, c'est que la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ce livre-là, c'est le fait qu'il était issu d'une commande, que moi, je n'avais pas de commanditaire. Donc, étant architecte de formation, la question de la commande est quelque chose dont je ne peux pas me... c'est quelque chose qui est très signifiant pour moi, et donc ce livre-là ne pouvait pas structurellement être une référence. Pour autant, au cours du travail photographique que j'ai fait, j'ai souvenir, puisque j'étais à ce moment-là en résidence à la Cité internationale, juste à côté de la bibliothèque de la Maison européenne de la photographie, d'aller regarder des livres de photos, et en particulier, j'ai des souvenirs de lecture de ce livre, et du plaisir, et aussi de l'intérêt, de la difficulté de lire ces photos, de les regarder, et d'essayer juste pas de les regarder comme des jolies photos, mais vraiment d'essayer de les comprendre, de les lire, d'en extraire quelque chose, d'identifier des choses dans ces photos. Et donc c'est un livre qui m'a énormément marqué. Je reviens à la question que vous m'avez posée, ce livre-là. Parmi le grand catalogue, j'ai choisi ce livre-là parce que effectivement, c'est peut-être pas celui qui est le plus immédiatement. Il y a des livres qui traiteraient plus immédiatement du thème du mien. Mais c'est celui qui sans doute m'a le plus inspiré, d'abord dans sa forme, d'abord parce qu'il est inachevé lui aussi, ou en tout cas c'est une tentative de faire quelque chose de beaucoup plus que les fragments qui sont restitués là, et ça c'est encore une fois quelque chose qui je crois qui est révélateur des travaux dont on parle ce soir, et puis parce que donc c'est l'ébauche d'un système proposé par Walter Benjamin au moment où il y a un bouleversement profond du cadre de vie. Et puis son approche, c'est de partir des choses, de partir d'un certain nombre de rationalités ou de réalités matérielles pour les envisager dans une approche qui est quand même qui a des tentatives d'exhaustivité mais qui reste où il se raccroche à un certain nombre de systématiques mais qui reste quand même radicalement subjective. Et à partir de cette réalité matérielle-là, il essaye de déployer plusieurs couches de compréhension de ce que serait, de ce que sont les choses, de ce que seraient les choses, de ce que serait l'espace urbain, de ce que serait la dimension sociopolitique de cet espace urbain. Et puis c'est un livre qui m'a après intéressé aussi dans son contenu par le fait que la question d'un parallèle entre espace urbain et dispositif spectaculaire, elle traverse complètement ce livre-là, puis qui parle des panoramas, puis d'autres catégories d'espace public, et qui, à travers cette question-là, pose la question du rapport de l'individu à l'environnement urbain, et qui, c'est peut-être un hasard, mais en fait ça ne l'est pas, notamment en parlant de cette question des panoramas, fait intervenir la place qu'on donne à la nature dans ce rapport entre l'individu et l'environnement urbain. Et qui interroge, et ça c'est aussi quelque chose duquel je me sens très proche, qui interroge ce rapport entre l'individu et le territoire, ou l'individu et l'espace urbain, à travers la question de l'expérience et de la représentation, puisque... C'est une des problématiques qu'interroge Benjamin dans ses notes sur le panorama. Et puis j'avais choisi aussi d'autres livres, en l'occurrence là il y en a un qui est sur la table, qui seraient que moi-même, de manière très arbitraire, je placerais dans la filiation de celui-là. Et là en l'occurrence, ce livre, c'est un livre donc de Martin Ostirli et Ilar Stadler, qui s'intéressent au travail de Denis Scott Brown et Robert Venturi,
Mais ça, j'aime beaucoup parce qu'ils s'intéressent à leur travail en amont du texte théorique qu'ils ont produit, qui est célébrissime et qui est un des livres de chevet des architectes, qui s'appelle Learning from Las Vegas. Mais là, ils s'intéressent à la documentation photographique que ces deux architectes ont réalisé avec leurs étudiants, puisque c'était un workshop, avant d'arriver à ce livre. Et donc, ils montrent, en quelque sorte, des coulisses. Et puis, ça j'y suis sensible aussi, parce que dans le livre que j'ai, dans la proposition que j'ai formulée, il y avait cette volonté aussi de montrer le matériel et de montrer, de rendre possible la lecture que j'ai faite du matériel. Et puis donc du coup, être confronté à ça, c'était pour moi passionnant. Et puis c'est aussi intéressant parce que ces deux architectes qui s'intéressent sur les formes urbaines contemporaines en utilisant la vidéo, mais essentiellement la photographie comme moyen d'investigation, avec ce même tâtonnement à travers ces photos, on le sent. C'est étrange parce que c'est un questionnement sur le vocabulaire urbain, très très imprégné en plus de cette question du signe, et en même temps ils choisissent un médium qui est en deçà du signe, qui est celui de la photographie, et qui brouille toujours les pistes quand on essaye de s'intéresser au langage, que ce soit le langage urbain, le langage architectural ou d'autres formes de langage. La photographie déroute en permanence, et donc c'est, voilà, j'y suis sensible. Et donc ce livre, l'approche de Venturi étant, de Scott Brown et Venturi étant très inspiré de celle de Ed Rochat, qui était peintre et photographe. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, c'est qu'on voit comment à travers ces photos et qui sont faites par eux ou par leurs étudiants, il y a une recherche de situation, de point de vue, de position, d'angle, d'attaque, qui soit d'ailleurs dans le sens naturel des espaces urbains auxquels ils s'intéressent. En l'occurrence, c'est le strip de Las Vegas, donc un environnement fait pour la voiture, mais en même temps où ils n'ont de cesse aussi de se décaler, de le prendre par par la transversale, etc. D'ailleurs, la photo qui est sur la couverture, c'est des lettres lumineuses, mais vues depuis l'arrière. Donc, voilà. Merci. Alors, moi, je veux bien revenir aussi sur ce... Alors, je le connais assez mal, parce que ce livre-là a été très vite épuisé, et seuls les collectionneurs ont la chance de l'avoir parmi eux. Donc, moi, en fait, je le connais mal. Il y en a que j'ai la chance d'avoir, par contre, qui est paru un peu après, 2-3 ans après, le gros, là. 89. C'est 89, voilà. Et ce livre, je reviens sur ce que vous disiez, c'est que, et ça revient à la conversation qu'on avait au tout départ, quand on a créé ce qui est devenu France Territoires Liquides, c'est un livre étrange, et c'est un livre sans doute inachevé. Est-ce que c'est lié à son caractère de commande qui fait qu'on a du mal à savoir exactement pourquoi ces photographes-là, pourquoi ce choix-là? Il y a quelque chose d'incomplet, d'assez étrange, qui pour moi me plaît énormément, parce que c'est aussi ce que j'aime dans la photographie, c'est-à-dire que, pour reprendre, je crois que c'était Umberto Eco qui disait, c'est l'œuvre ouverte, c'est une photographie, c'est ouvert. Et chacun, avec sa sensibilité, avec son talent, va pouvoir l'emmener aussi où il veut. La photographie nous emmène, la photographie brouille, mais à l'inverse aussi, on peut l'emmener où on veut. Et ce livre, enfin, en tout cas moi, m'a fasciné, parce que cette succession, alors il y a eu des découvertes, il y a quelqu'un que je connaissais pas, comme Jean-Louis Garnel, moi, ça a été vraiment pour moi, un des photographes vraiment importants dans cette mission, cette manière de poser sa caméra là. Et en même temps, je ne savais pas très bien ce que ça me racontait. Je ne savais pas très bien quoi faire de ce corpus. Et du coup, ces choses-là qui n'ont pas une place précise, je trouve qu'elles hantent. Et elles hantent plus que des choses trop propres, trop carrées, trop finies. Et finalement, son inachèvement pour moi, a fait son succès, en tout cas, a eu une part importante dans le fait que c'est resté, que j'y retournais très régulièrement, avec à chaque fois une hypothèse différente, une sensibilité différente. Donc voilà, il a compté.
malgré le fait que ce soit une commande et que ce soit aussi un livre pas totalement, je le crois, réussi ou dans le sens complètement finalisé ou abouti. Donc voilà, ça c'était une chose. Et puis, bah, alors, identification d'une ville, là je pensais plus que... J'aime beaucoup le texte qu'a écrit Dominique Baquet, qui résume un petit peu, qui prolonge toutes nos discussions là, sur la nécessaire refabrication d'un nouveau paradigme pour envisager le paysage. Et on est à un moment peut-être charnière ou pas. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'on va figer des prochaines paradigmes rapidement? Est-ce qu'on va être comme ça dans une errance poétique pendant des années? On n'en sait rien. En tout cas, elle pose des pistes intéressantes. Ses choix de photos sont, on peut dire, relativement consensuels. Elle va picorer à droite, à gauche, mais c'est pour moi un bon départ. Et comme finalement le travail, enfin le livre de la Datar, c'est une belle rêverie. Et voilà. Et moi, j'aimerais. Pour moi, la photographie, c'est d'abord une rêverie, presque une rêverie métaphysique. Ensuite, on peut y mettre des mots, mais c'est d'abord ça. C'est pas d'abord de la théorie. Ça me rappelle presque des souvenirs d'enfance, des sensations très, très fines. Et je pars toujours de ça. Ensuite, on peut y mettre des mots, on peut y mettre de la théorie, mais c'est d'abord une rêverie. Et voilà. Et y a plein d'images qui donnent à rêver dans l'identification d'une ville. Alors moi, j'ai été mauvais élève parce que je n'ai pas choisi de livre, mais j'aimerais juste dire un mot de deux de ces livres qui pour moi, sont des livres absolument extraordinaires et qui sont des ateliers de la pensée. Las Vegas Studio, d'abord, qui va avoir une actualité cet été, d'ailleurs, en France, et qui va sortir enfin en édition française. Et c'est vrai que l'image de couverture dit tout, quoi. C'est-à-dire, on est derrière, quoi. On est derrière la production de l'objet fini, et on est dans tout ce cheminement qui conduit, qui construit de façon erratique une pensée qui doit à un moment donné se construire, se constituer. Et puis l'autre livre dont il faut pas se laisser abuser par le titre, hein, Capital du 19e siècle. Pour moi, c'est un livre d'une actualité totale. D'abord parce que c'est peut-être le livre le plus dialectique qui soit. Il y a toute la question... on le désigne souvent par son sous-titre, d'ailleurs, le livre des passages. Et c'est toute une pensée et une poétique de la ville par passage. C'est-à-dire en essayant d'articuler, de lancer des ponts entre des fragments archéologiques ou contemporains de ce que c'est que vivre dans la ville. Et la tension dialectique, elle est précisément dans tout ce que Benjamin dit du passage, qui est à la fois un lieu de protection, dont le sens premier est de permettre un passage. C'est quand même au moment où le maillage urbain change totalement de dimension. Il devient assez difficultueux de contourner dans la boue, sous la pluie, les lotissements qui sont de plus en plus grands. Et donc, on ménage un accès vers le centre de Paris, en particulier le Palais-Royal, par ces passages qui du coup, par les magasins qui les entourent, sont supposés recréer une espèce de totalité, d'unité de vie, mais il y a aussi la présence des cocottes dans les entresols qui affolent complètement ces espaces, et au fond, on s'y protège, mais on s'y expose terriblement dans les passages, et toute la dialectique de ce livre, c'est l'hésitation, l'oscillation entre se perdre dans une ville et se retrouver dans une ville. Mais se retrouver, ça veut dire construire des systèmes de sens, des espèces de sémiologie urbaine. Mais se retrouver, c'est aussi évidemment courir le risque d'être retrouvé.
Y a par exemple des pages absolument extraordinaires sur la révolte des quartiers du Faubourg Saint-Antoine au moment où on numérote les maisons dans les rues parce que les gens voient immédiatement, enfin les gens, la conscience politique du peuple repère très vite que ce système de repérage pour se retrouver est évidemment un outil formidable pour toutes les polices à venir pour retrouver les uns et les autres par les systèmes de numérotation, de cadastre, etc. Et tout ça est au cœur de ce livre qui est tout de même un livre inachevé. Hein, et c'est sa beauté. C'est-à-dire qu'il est, de toute façon, il est porté par un projet dont la nature même, je pense, était d'être inachevé, puisqu'il proposait plein de repères, mais il proposait aussi de se perdre. Merci beaucoup pour cette présentation commentée, où je vois qu'on sent aussi une communauté de réflexion dans cette communauté de référence aussi qui est la vôtre. Je vais revenir un petit peu sur paysage photographie, que je connais bien, bien que je ne fais pas partie des heureux élus qui l'ont dans leur bibliothèque personnelle. Ce qui est intéressant, là, c'est que c'est certes une commande, mais une commande très particulière, vraiment, assez unique en son genre, finalement, dans à la fois la sollicitation que va avoir l'institution de l'aménagement du territoire, qu'est la DATAR au début des années 80, qui va solliciter des photographes, mais va les solliciter non pas en tant qu'opérateur, non pas en tant que professionnel documentant l'état des lieux, mais en tant qu'artiste. Et Bernard Latarge et François Hers, cette fois-ci je ne me suis pas trompée, vont vraiment poser la question à ces photographes, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le territoire, dans une déprise hein, de cette question de l'appréhension du territoire. Il n'est pas question ici ni de systématisme ni d'inventaire, au même titre que les travaux qui sont présentés là, mais vraiment d'une approche revendiquée comme sensible dans une volonté d'écrire un discours photographique sur ce territoire. Et aussi dans une volonté de créer un lien différent entre les experts de la ville, on va les appeler comme ça, c'est les aménageurs, et les propositions issues d'une expérience d'un territoire qui va être vécu, ressenti, avec un point de vue, on peut dire d'une façon schématique, le passage de la vue aérienne à la vue piétonne, hein, bien que ce schéma soit pas valide historiquement, mais en tout cas dans la perception et la conception des choses. Et du coup, j'en reviens un peu, peut-être poser la question du rapport que vous avez eu, chacun avec votre projet, avec ces visions expertes du territoire, les aménageurs, les responsables des collectivités locales qui sont photographiés, qui sont représentés dans vos travaux. Donc déjà, de prime abord, quel a été votre positionnement vis-à-vis de ce regard expert, et puis ensuite le dialogue qui a pu être établi ou non avec ces autres acteurs du territoire que sont les responsables de l'aménagement et de sa gestion. Alors moi je peux parler d'une expérience très précise qui est quand on est allé voir les gens de la DATAR, puisque pendant des mois on a travaillé un petit peu dans notre coin en sous-marin sans rien montrer à personne, d'abord parce qu'on n'avait rien à montrer, puis ensuite on n'avait aucune légitimité. La seule légitimité, elle viendrait de la qualité ou pas de nos travaux. Donc il fallait produire et produire un certain nombre de séries en nombre important et suffisant pour qu'à un moment on aille voir justement des experts, des spécialistes, et pour leur dire voilà, nous c'est une proposition purement poétique. C'est une base, c'est une intuition, c'est des dispositifs. On n'est pas des spécialistes, on n'est que photographes, mais c'est notre représentation sensible du monde. Voilà, à votre avis, est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? Donc, on a mis quand même un certain temps avant de prendre notre courage à deux mains et de faire des tirages et d'aller voir concrètement. Évidemment, la DATAR, on rêvait d'une filiation, on n'était absolument pas sûr qu'on
qu'on la mérite et puis qu'eux aient envie de nous la donner d'une manière quelconque. Donc je dois dire que c'est grâce à Nbirolo que le premier rendez-vous a été fait. Et ils nous ont vus d'abord au début gentiment, mais en se demandant bien ce qu'on allait leur présenter, parce qu'ils avaient fait une vague recherche sur Internet et on n'existait strictement pas. Et par définition, on n'existait pas, on était totalement sous-marin. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on avait commencé à faire une petite carte pour indiquer les points où les photographes avaient travaillé. Et puis, eux, complètement par hasard, ils avaient des cartes sur lesquelles eux-mêmes travaillaient. Et on voyait de manière assez extraordinaire que nos rêveries poétiques, nos démarches purement artistiques, coïncidaient de manière assez troublante avec les recherches qu'eux faisaient. Et ils fabriquent toujours des espèces de cartes qui ont un côté presque liquide, qui grossissent démesurément en fonction de l'activité de telle ou telle partie du pays par rapport à telle autre, etc. Et quand on leur a parlé de ce concept de territoire liquide, que pour la plupart, je dois dire qu'ici on a une oreille bienveillante, merci Bernard, d'autres nous tombent dans le premier degré en disant « Ah, territoire liquide, c'est parce qu'on est entouré de mer et ne voit pas toute la métaphore et toute la richesse de cet oxymore. » Et à la Datar, justement, et la partie la plus scientifique disait, mais nous, cette notion de territoire liquide, on la travaille tous les jours. Ça nous parle incroyablement. Et du coup, de manière vraiment miraculeuse, c'est pas ça, mais il y avait quelque chose d'assez étonnant, parce que notre petite réflexion poétique rencontrer la parole experte en territoire, en tout cas du côté de la Datar, qui du coup nous a fait la grande joie de nous parrainer. Tout à l'heure vous disiez qu'une des peut-être un des objectifs de votre livre c'était de réfléchir à la formulation d'un nouveau type de paysage, la formulation d'un nouveau paradigme sur le paysage. Et puis, en même temps, je me disais dans ma tête que c'était probablement un peu ce que j'avais aussi en tête, mais que finalement, peut-être que ce qu'on constatait, c'est qu'on les différentes approches photographiques qu'on avait pu mettre en œuvre avaient plutôt tendance à défaire des paysages qu'à en instituer des biens solides, bien identifiable et tout ça, et puis qu'en fait c'était peut-être pas si mal, sachant que peut-être notre travail c'est plutôt de défaire ou de décaler, de défaire les paysages, et puis qu'après de toute façon le paysage il se forme dans la tête et dans l'œil des gens qui sont dans le territoire et qui tout d'un coup par le fait qu'ils regardent le territoire ça devient un paysage où on reconnaît à ce moment-là un paysage. Mais voilà, ça je trouve qu'au fond voilà. En revanche moi, une autre chose que j'avais en tête, puisque c'était quand même, j'ai une formation d'architecte, puis je continue et d'urbanisme, c'est un peu vers ça que je me destine, quoi. Il y avait aussi cette idée que ce travail-là, c'est une étape nécessaire, importante pour moi, dans une démarche plus longue, qui est celle de la transformation de ces lieux-là. C'est-à-dire qu'à travers cette démarche-là, il y a l'idée d'essayer de trouver des outils ou des outils intellectuels aussi pour comprendre ce à quoi on a affaire et éventuellement comment on pourrait le transformer. Et donc c'était quand même aussi une des idées de ce livre, même si effectivement il n'est pas très systématique, il y avait quand même 2-3 tentatives de mettre en place des outils de lecture qui fait qu'on peut reconnaître les photos et savoir où elles sont, etc. Et puis ce que j'avais quand même en tête au début, c'était de proposer quand même une documentation de ce territoire que j'aurais pu adresser ou qui aurait pu être utile à les collectivités locales qui sont sur place, à différents échelons. Et il y en a un sacré nombre d'échelons sur le plateau de Saclay, plus qu'ailleurs. Et puis voilà. Alors moi, je suis allé les voir aussi, mais eux, ils m'ont pas du tout écouté. Ça les a pas du tout intéressés. Ça les a pas intéressés. Pourquoi ? Parce que ce que je leur tendais comme miroir,
ça leur foutait vraiment la trouille et qu'ils n'avaient pas envie de regarder dans ce miroir-là, et précisément qu'ils tiennent dur comme fer à cette fantasme d'un territoire d'excellence qui a aussi par ailleurs ses réalités, mais en tout cas pas spatiale, loin de là. Et donc, ils n'ont pas, disons, la demande, la recherche en paternité n'a pas du tout été, elle a été déboutée, quoi. Mais pour autant, ça, pour moi, ça a endurci encore la conviction que, comment dire, cette recherche à travers la photographie et puis d'autres médiums, d'outils de lecture, d'outils de compréhension et puis d'outils d'action, de transformation sur ces territoires dont on comprend plus le langage ou difficilement. C'est une nécessité vraiment qui a conduit ce travail-là. Donc en fait, je l'ai fait surtout avec cette casquette-là. Pardon. C'est vrai que moi aussi, les premiers temps, quand je parlais de ce projet de France Territoire Liquide, tout le monde me disait mais c'est quoi ? C'est sur la mer ? C'est sur. Fatalement, hein, d'une certaine façon. Et c'est vrai que. Moi, je me souviens par exemple que la question de. La première fois que je suis allé au bord de la mer, et j'ai souvent eu cette image en faisant le livre, j'avais quand même une vraie appréhension, parce que je me disais, bon, on roule en voiture, et tout à coup, il va y avoir de l'eau, et j'avais peur que la mer surgisse tout à coup, et qu'on finisse avec la voiture dans l'eau, quoi. Parce que de mon point de vue d'enfant, c'était très difficile de se représenter ce que ça pouvait être que le rapport entre la terre et la mer. Et à cette même occasion, d'ailleurs, très petit, ma mère m'avait appris un mot qui m'a toujours enchanté, aussi bien en tant que tel que par ce qu'il désigne, qui est l'estran. L'estran, c'est la partie du sable qui est mouillée par la marée. C'est cette partie qui est un peu plus dure, quoi, où le sable est entre deux statues. Et pour moi, voilà, c'est d'une certaine façon très emblématique de ce que peut être un territoire liquide. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est justement la façon dont cette liquidité travaille à peu près toutes les approches. Une métaphore n'est belle que si elle est reprise, que si elle est activée par un regard d'artiste. Par exemple, il y a la série d'Emmanuel Blanc qui s'interroge sur ce que c'est qu'un paysage. C'est quoi la limite entre un paysage sauvage et un paysage qui a toutes les apparences de la plus grande sauvagerie, comme un paysage alpin, mais où il y a tout d'un coup un tout petit élément, un pylône, quelque chose qui trahit, rappelle, révèle l'intervention humaine. Et au fond, toutes ces approches sont dans cette dialectique de ce que c'est, mais ce que c'est n'est jamais seulement ça. C'est toujours aussi autre chose. Et on a aussi, par exemple, assez vite commencé... construire un livre comme ça, c'est justement ne pas lui imposer un système que la démarche du collectif n'a jamais eu. Donc on n'a pas, on s'est pas dit, tiens, on va d'abord mettre tout ce qui est urbain et ensuite tout ce qui est maritime, tout ce qui est frontalier, ça, puis faire des sous-sections. En fait, on a commencé, on s'est dit qu'on allait commencer par un des fondateurs. Malheureusement décédé depuis l'origine du projet, Jérôme Brésillon. Puis ensuite, on regardait un petit peu ce qu'on avait, puis on enchaînait en cherchant un peu les contrastes. Et je dirais qu'une des séries qui, à mes yeux, illustre de façon forte cette idée aussi de territoire liquide, à travers la question de la migration, forme étendue de l'immigration et de ses signes, c'est la série de Frédéric Delangle qui part de tirages photographiques de paysages parisiens tirés en gris très faible, qu'il envoie ensuite à des peintres décorateurs indiens
qui, sur ces paysages parisiens, vont apposer un décorum publicitaire d'enseigne indien. Et vous avez tout à coup la fusion, la superposition, pour reprendre le terme d'Antoine Vial, vous avez la fusion, la superposition de deux univers. Et je crois que ça dit bien ce que peut être une approche liquide de la question territoriale. Non, mais je rebondissais juste en disant que ce n'est peut-être pas le même genre d'experts. Et eux, justement, s'attendaient à un paysage préétabli qui soit défini comme quelque chose de beau, de culturellement admis. Et quand on leur montre quelque chose, justement, quand on fait un travail de déplacement de la perception, il n'est pas admis. De même que souvent, comme on l'a fait, le reproche aussi à la première mission de la Datar, c'est-à-dire qu'il y a aussi en disant, mais la France est quand même un beau pays, pourquoi vous la réduisez à ces zones-là, à ces endroits-là, et il y a toujours l'idée que la photographie, c'est quand même mieux quand c'est une belle carte postale. Non, je pense justement, il faut essayer de sortir de ça et de montrer qu'il y a plein d'autres territoires qui ont même une puissance poétique et c'est à nous de la révéler, quoi. Mais c'est sûr que de l'autre côté, il y a le politique ou il y a des experts qui continueront à ne pas vouloir l'avoir et donc à nous fermer la porte au nez. J'aimerais bien, pour aller sur les derniers moments de cette conversation, je sais que certains photographes de France Territoire Liquide sont parmi nous, je les reconnais, je les vois, et je vais leur demander quand même de venir parler un peu, parce que c'est un livre à 43 voix. Donc ça en demande un peu plus que deux, trois pour le dire. Peut-être nous redonner l'expérience soit de la mission, soit de ce territoire dont on a parlé, cette possibilité d'un paysage. Est-ce qu'on peut faire un paysage aujourd'hui, des paysages ? Je suis Jean-Philippe Carré-Mattei, je fais partie des 43 photographes. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une photographie de paysage ? Moi, je m'étais posé la question de savoir s'il existait une photographie du territoire, mais avec une approche plus anthropologique, en tout cas une anthropologie technique d'enregistrement purement physique de l'image. Et est-ce que cette image existe ? Écoutez, je ne crois pas. Après avoir appliqué quelques filtres au travers de ma démarche intellectualisée, je crois vraiment qu'il existe juste du langage et qu'on évacue l'idée de territoire en gardant que la capacité d'enregistrement du purement technique de l'appareil photo. Je crois qu'on est dans le langage. C'est un peu ce qu'exprimait Cédric tout à l'heure, à savoir que où on est dans le rêve, dans une approche onirique, où on est dans un enregistrement, et là on est plus, effectivement, on a évacué toutes ces peurs, sa part de subjectivité, et on est vraiment dans un langage, plus que dans une volonté de translation de l'image. Voilà ma réponse autour de cette interrogation, de savoir s'il existe une photographie du paysage ou du territoire. Le territoire, pour moi, c'est de l'identité. Le paysage, c'est un point de vue. Donc, je crois que le distinguo existe à peu près autour de ça. Merci. Ah ben oui, j'en vois certains. Merci. Donc, Emmanuel Blanc. Bernard a parlé de mon travail tout à l'heure. Moi, je suis aussi architecte de formation. J'ai énormément travaillé avec des paysagistes et j'ai été aussi formée par Alexandre Chemetov. Donc, j'ai vraiment je suis sensible à cette notion de paysage, mais du côté des aménageurs. Et quand cette question de représenter le territoire et le paysage français s'est posée, je me suis
reposer la question de ce que voulait dire le mot paysage dans la représentation qu'on en avait, et donc dans la peinture, puisque c'est de là que vient le mot. Et je suis restée avec cette image un peu romantique du paysage sauvage, dramatique, sublime, et en essayant de chercher ça en France et en me disant que finalement en France il en existe, mais on en avait quand même très très peu des paysages comme ça, sublimes, sans trace humaine du tout, sans vraiment que, enfin, dans la complètement vierge. Et donc j'ai montré ça en fait très simplement dans ces photographies. Donc c'est un petit peu chercher Charlie dans les images, mais c'est au-delà de ça. C'est toujours quelque chose de, c'est une espèce d'ambiguïté comme ça. On est devant quelque chose de sublime. On est projeté à l'intérieur. Il y a très peu de ciel dans mes photos. On est vraiment entouré dans quelque chose de à la fois beau et inquiétant, et en même temps il y a un petit grain de sable qui dérange. Voilà, je ne vais pas partir dans des théories. Je suis assez d'accord sur les choix des livres, qui sont aussi, mais pour la plupart, des livres de chevet. Et voilà, vous avez tous très bien parlé, moi je parle très mal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a certains que je n'aurais pas vus, qui seraient un peu plus loin? Non. Peut-être qu'on pourrait ouvrir le débat à d'autres, à tous ceux qui voudraient poser des questions, à nos photographes, à Bernard Comment, à Antoine Vial. Moi, j'avais peut-être une question concernant le choix de ce terme liquide, en fait, et par rapport à finalement une filiation de pensée philosophique. Alors je tente le parallèle, mais je ne sais pas s'il est justifié, peut-être vous pourrez me répondre, notamment parce que par rapport à cette question de la liquidité, moi je pense bien évidemment à l'insularité, qui est la terre dans la mer, et le rapport en fait que vous pouviez avoir avec la pensée d'Edouard Glissant, avec cette pensée archipélique liée à l'insulaire, et notamment à l'heure actuelle où on parle beaucoup de mondialisation et qui est le pendant de cette question de l'identité nationale, justement, et comment Glissant a totalement repensé cette question de l'identité, et en parlant non pas de mondialisation mais de mondialité, et en disant finalement comment on était justement dans quelque chose d'archipélique, de kaléidoscopique, et lié à une reconstruction un territoire qu'il fallait repenser, reconstruire, selon cette grille de pensée. Donc est-ce que la liquidité participe de ça aussi? Alors, Glissant, même si c'est un terme déjà liquide, en plus, honnêtement, non. Alors, territoire liquide, il faut savoir que c'est Paul Wambel qui a amené, après 2 ans et demi de travail, où on lui disait mais Paul, tu prends des gens, tu en vires d'autres, et des fois c'est pas simple, parce qu'il a viré des gens qui étaient des très bons photographes, mais il disait non, ce travail ne m'intéresse pas, il correspond pas à le corpus que j'ai en tête. Et on lui disait mais il faut vraiment maintenant, ne serait-ce que pour nous, on va voir ensuite les photographes, qu'on leur dise pourquoi ils sont pas pris, parce que eux ils pensent sincèrement que tu n'aimes pas leur travail. Il dit non, parce qu'il faut avoir une... Il dit, mais lui non. Et à un moment il nous a dit voilà, liquid territories, et tout d'un coup ça nous a semblé une évidence, et vraiment ça nous a fait du bien, parce que on se disait mais oui, quand même, on va quelque part, tous ces travaux aussi disparates soient-ils, tout d'un coup ils ont ce lien très étrange, effectivement, que je trouve passionnant, parce qu'on a beaucoup de mal à l'exprimer souvent. La question c'est alors expliquez-moi en 2 minutes ce qu'est un territoire liquide, et à part faire quelques pirouettes et quelques jonglages, on est bien embêté, parce que voilà, c'est une métaphore, c'est un oxymoron, c'est une réunion de contraires. On peut sentir ce que ça veut dire, on peut pas le définir très clairement. Quand on parlait avec lui, on était plus
dans la réflexion d'Arnaud Baumann, de la vie liquide, avec cette idée que toute la vitesse est tellement perpétuelle que chaque objet à peine né est déjà obsolète, que l'idée aussi des passages systématiques de frontières dans tous les sens fait que tout est redéfini en permanence et qu'on est en train de basculer dans une vie liquide. À ce point près que Baumann le décrit un peu comme un territoire apocalyptique et qu'il veut retenir ce liquide, il voudrait retrouver du terrain solide. Nous, tout l'enjeu et la réflexion et la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut malgré tout dans cette pensée, dans cette liquidité, donner place à de la pensée, finalement figer quand même quelque chose, même s'il doit à nouveau être redéfini l'instant d'après. Ça, c'est une question, elle est ouverte, chacun y répond comme il le veut. Voilà, mais c'était plus du côté de Baumann qu'on a trouvé l'origine de cette notion de liquidité. Moi, je pense que, bien sûr, la poétique de Glissant, mais la poétique de Glissant, elle part de l'insularité. L'insularité, c'est un autre postulat, c'est une autre réalité. Je pense qu'on est très habité par la pensée de Glissant. Aujourd'hui, un peu tout le monde, mais au fond, on pourrait aussi très bien se dire que tout ça, c'est plutôt l'Aleph de Borges. C'est-à-dire... ce que j'adore chez Borges, c'est que c'est dans un escalier miteux que tout à coup se fait l'expérience du monde entier, de la totalité, de l'univers, comme ça, cette perception. Et c'est ce choc qui me semble très, très nourrissant, de la même façon que je pense qu'il y a une opposition grecque que Émile Benveniste avait rappelé dans ses écrits sur la notion de rythme. Il fait référence au présocratique et il parle parce qu'on a parlé du réel et de la fiction. Je fais partie des gens qui pensent que le réel n'existe pas. Il n'y a que des constructions du réel, des inventions du réel, des variantes, des variations du réel, mais que le réel n'existe pas. Et Benveniste parle du rythme, du rythmos, comme justement le flûment des atomes, c'est-à-dire l'éventuel réel n'est jamais qu'un flûment d'atomes qui se fige momentanément dans des configurations transitoires, éphémères, qui sont le schéma, c'est-à-dire les schémas, les configurations provisoires. Et moi, ce que je trouve très intéressant, justement, c'est la façon dont toute cette démarche, ce collectif, est habité par une sensation de fluidité, de liquidité, mais à un moment donné, saisie des états configurés, qui sont, disons, des aventures du regard. Et c'est ce côté-là que j'irai voir. Oui. Bonjour, je suis Pierre-Luc Vacher, je travaille à la ville de Montreuil et je m'intéresse aux paysages urbains et celui de la Seine-Saint-Denis aussi. Et je suis un peu étonné finalement de la place que l'urbain a pris dans votre livre France Territoire Liquide. J'ai un peu l'impression qu'il a une portion assez faible et ça m'interroge. Et donc je voulais savoir d'où était partie cette idée-là, ou si c'était le hasard, si c'était un choix ou si c'était le hasard. Et si vous tenez à. Si vous ne tenez pas le paysage urbain comme paysage, enfin, pourquoi ça ne rentrait pas dans le terme paysage liquide, le territoire liquide ? Alors, je pense que ça rentre quand même. Certes, vous avez raison, hein, c'est aussi une remarque qu'on s'est faite, c'est-à-dire que
il y a assez peu de photographies de ville ou de périphérie. Et on l'a remarqué à notre grand étonnement, parce qu'on pensait que, de même que des villes comme, je sais pas moi, comme Marseille ou Paris ou Lille allaient être prises d'office. Alors je vais peut-être... Il faut que je fasse un tout petit... je vais revenir en arrière pour vous expliquer comment on est arrivé à chacun à faire la série qu'il a faite. Nous, on ne s'est vraiment pas demandé d'abord comment construire une totalité. Chacun avait une envie précise, particulière, singulière, et c'est celle qu'il a mis en avant. Ensuite, notre directeur artistique a choisi, en fonction de ses singularités, pour y construire la ligne qu'il y trouvait, et ce fameux territoire liquide. À aucun moment on s'est dit il faut qu'il y ait dans la balance autant de travaux liés, il faut qu'on voit la mer, là il faut qu'on voit les champs, là il faut qu'on voit... Donc c'est vrai, c'est un hasard, c'est une coïncidence. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle doit signifier quelque chose. Peut-être que nous, la plupart des photographes sont quand même des photographes de la ville, et que pour ce travail-là où on leur demandait comme un laboratoire de tenter quelque chose, ils avaient envie de sortir de la ville, moi le premier peut-être. Mais tout ça est assez inconscient. Donc, je fais comme vous le constat. Je n'en tire pas de conclusion. En tout cas, il n'y avait pas de volonté de l'éclipser ou pas de volonté non plus de la surreprésenter. Voilà, ça s'est fait comme ça. Tout dépend de ce qu'on appelle un paysage urbain, parce que je vous le livre, je tombe sur cette photo-là. Pour moi, ça, c'est un paysage urbain. Donc à partir de là, il y a très peu de paysages qui ne sont pas urbains du tout dans le... Oui, on voit, parce que même Emmanuel Blanc nous prouve que même au fin fond, le sommet le plus haut des Alpes reste un paysage urbain. Je cherchais la photo, mais bien voilà, sûr. Voilà, c'est ça. Oui, mais là vous parliez, mais peut-être, d'ailleurs maintenant on parle de paysage urbain, donc on voit bien que la notion de paysage, qui d'abord était liée, je crois, dans les tableaux anglais... À la terre labourée, c'était ce qui était considéré comme un beau paysage. Il y avait même l'idée de nature. Je crois que c'est Tocqueville qui en parle quelque part et qui dit mais ces montagnes à perte de vue, c'est insupportable. L'homme n'y fait rien. C'est d'un ennui terrible. Bon, et puis, 100 ans après, on va voir que non, c'est le summum de la beauté. Cette beauté naturelle, c'est considéré comme ça, c'est un paysage. On en est encore un peu là, le paysage de la carte postale. Et on voit progressivement arrive le paysage urbain. Et du coup, votre question, voilà, pourquoi il n'y a pas suffisamment de paysage urbain? Et ce pays, il est à sa manière, un peu présent, mais pas dans le sens où il n'y a pas de paysage de banlieue. Alors on l'a peut-être aussi parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de photographes justement sur la banlieue. Dans tous les sens, et que là, par hasard, où Paul Wambel n'a pas trouvé de démarche proposant une série sur la banlieue qui lui a semblé, je ne sais pas, il faudra après lui demander, mais c'est un constat. Oui, ce que tu évoques en filigrane, c'est une règle qui se fait dans France Territoire Liquide. À un moment donné, c'est une forme, j'ai peut-être employé un mot un peu fort, mais une interdiction des photographes de se montrer leurs travaux entre eux. Justement dans une volonté que chacun suive la trame de son projet singulier, de ses problématiques photographiques, territoriales, sensibles, particulières, et que vraiment l'ensemble fasse collectif, mais sur un mode de collectif, on va dire, contemporain, c'est-à-dire une complémentarité par la jonction de singularités qui ne dépendent pas les unes des autres. Et là, vraiment, c'est du coup, là où vous avez raison, c'est que finalement, cet ensemble parle autant de la France que de la photographie. Et c'est un peu aussi ce qu'on entend dans la réponse de Cédric Delceau. C'est le cas déjà pour la mission photographique de la DATAR, qui est l'événement des années 80 sur ce lien entre photographie et territoire. De la même façon, la mission photographique de la DATAR parle tout autant de la France des années 80 que de la photographie des années 80. Et c'est d'ailleurs d'une certaine honnêteté de se dire qu'on ne va ni instrumentaliser l'un ni instrumentaliser l'autre, mais laisser ces deux éléments dialoguer à leur manière
et faire un résultat qui soit donc, et c'est ce qu'on disait un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de systématisme, pas d'inventaire, pas de calibrage ou d'équilibrage, ça va avoir la brutalité d'une photographie, un fragment qui va ne pas avoir l'avant, l'après, l'envers du décor, ce qui est un peu au-dessus, un peu à droite, un peu à gauche, mais qui a la puissance de ce qu'il est en soi. Enfin, je pense que c'est vrai aussi hein, pour la proposition d'Antoine Vial, qui se déploie sur un parcours de traverse, une tentative d'insistance de ce regard, et qui va aboutir à non pas à un panorama, mais à des paysages qui se superposent, s'assemblent, se juxtaposent, et c'est dans le parcours que l'on va faire chacun dans le livre, parce que vraiment, hein, c'est intéressant j'aime bien hein, ce parti pris que je trouve toujours extrêmement intéressant, que le texte ne soit pas dans le même sens de lecture que l'image. Ce qui permet de faire en sorte de nouveau que les deux éléments dialoguent à égalité et que l'un ne devienne pas l'illustration ou la légende de l'autre. Et c'est aussi des parcours comme ça. Donc, je pense qu'on a là des incomplétudes, mais qui sont dues à des volontés respectives de porter des dialogues à égalité, à l'aide de ne pas faire dépendre le singulier du collectif, le texte de l'image, l'image du territoire. Enfin, voilà, cet ensemble-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ça fonctionne. Je sais, vous venez de le dire, le titre a été donné à la fois après coup, mais il y avait quand même l'intention dans ce que le directeur artistique Paul Wenwell a décrit. Lui, il avait cette idée-là déjà avant, enfin, apparemment. Donc, mais enfin, à une échelle du livre et plus seulement photographe par photographe, qu'est-ce que le livre nous dit à l'échelle voilà, de cet ensemble, parce que du coup ça fait quand même un ensemble, même s'il est disparate sans doute ou hasardeux ou je sais pas comment on pouvait, mais est-ce que enfin, si le titre a été donné, est-ce que la morale du livre, enfin, je sais pas le terme, mais le bilan de tout ça, de toutes ces photos, finalement il en ressort que ben, aujourd'hui la France elle est plutôt un territoire liquide, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre ou autre chose qui ne serait peut-être pas encore dit parmi ce qu'on vient d'entendre. Ouais, alors, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, je pense que ce livre aussi, c'est une œuvre ouverte. Cette notion de territoire liquide, elle est à la fois maligne parce qu'elle englobe le tout, mais elle est maligne parce qu'elle ne dit pas tout non plus. Donc, et en plus, on a absolument pas eu envie de tenir des propos de spécialistes ou qui vont expliquer que la France va bien ou mal, que la France se suicide ou pas. C'est pas du tout notre propos. Donc il y a pas de morale de l'histoire. Il y a des regards, il y a des sensibilités. On est plus ou moins sensible. On prend dedans ou pas. Cette notion quand même de territoire liquide, elle raconte quelque chose de prégnant et à mon avis d'assez fort, mais bien malin celui qui pourra dire concrètement ce qu'on peut en dire ou en faire en trois lignes. On ne le veut pas pour une raison simple, c'est que dans ces 43 photographes et 41 travaux, il y a des individualités qui ont un lien dans ce collectif, mais dont la démarche, dont la sensibilité est parfois opposée. Donc on va pas instrumentaliser tous ces travaux pour dire voilà ce que c'est que la France d'aujourd'hui, voilà. Non, il n'y a pas ça. C'est une proposition peut-être plus difficile à tenir, mais comme de tenir du liquide dans ses mains, mais je trouve peut-être plus fine, plus sensible, plus poétique que un livre à thèse. Il n'y a pas de thèse. Voilà, c'est vrai, il n'y a pas de thèse. Nous, on essaie de déplacer des lignes, de bouger des sensibilités. Voilà, ça marche, ça marche pas, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Voilà, je pense que ce livre, il a été conçu comme ça. Et justement, c'est pour poursuivre la métaphore, s'il veut rester liquide, il doit rester comme ça. Il doit rester quelque part un peu inachevé et il doit pas être dans une démonstration carrée que l'on pourrait contrer ou pas.
Donc, c'est un peu le sens de ma réponse qui est filandreuse, mais c'est aussi le sens du livre. Merci. J'espère que je vais me faire comprendre parce que j'ai du mal à parler. Vous nous disiez finalement l'échec que vous avez rencontré quand vous avez montré vos photos aux aménageurs de Saclay. Et alors, c'est peut-être une question que je vais poser aussi à Emmanuel, qui est architecte. Enfin, finalement, quelles conclusions peuvent en tirer, ou qu'est-ce que tous ces travaux photographiques peuvent apporter à la réflexion d'architecte? Comment finalement, parce que en fait, il y a une matière formidable dans l'absolu. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais c'est vrai qu'on rencontre souvent quand même des réactions un petit peu réticentes. Et alors, qu'est-ce qui manque pour faire un lien plus concret, pour que la photo soit plus présente, peut-être, comme outil? Vous avez employé ce mot d'outil tout à l'heure, dans la réflexion des architectes ou des aménageurs. Ben, alors, finalement, alors comme outil ou comme médium, je préfère éventuellement ce terme-là. Finalement, la photographie, elle est quand même assez présente dans la pratique des architectes et des urbanistes. On l'utilise, mais alors vraiment souvent de manière extrêmement prosaïque. Effectivement, les architectes utilisent eux-mêmes la photographie dans leur manière de travailler tout le temps, sans arrêt. Mais il manque... Le regard, vous, justement, que vous apportez, semble ne pas les interpeller. Et c'est là où je me pose des questions. La seule chose qui manque, à mon avis, c'est de les regarder attentivement. C'est-à-dire que ce qui manque aujourd'hui, c'est d'apprendre à... des manières, ou d'inventer des manières de lire les photographies et d'en tirer des choses, et de lire le territoire, ou plutôt l'espace, qu'il soit urbain ou pas, mais l'espace dans lequel on habite. C'est ça qui manque. Et c'est ce à quoi la photographie peut aider ou contribuer. Voilà, on est dans des situations où on a un déficit cruel de savoir... regarder, savoir comprendre, savoir nommer, savoir et donc évidemment savoir intervenir sur les espaces dans lesquels on vit. Et c'est ça, c'est cruellement ça qui manque. Et la photographie aide à aussi parce qu'elle déroute, mais enfin moi en tout cas elle m'aide à comprendre là où je vis, dans quoi je vis, ce que je traverse. Ah, mais vous savez tout. Je pense pour ce que vous voulez dire. Eh ben, il faudrait que je montre ces photos-là, mais effectivement, on a fait plusieurs... avant quand même de me dire que ce travail n'était pas très intéressant pour eux, j'ai quand même plusieurs institutions sur le plateau de Saclay, dont certaines étaient plutôt intéressées par ce travail-là et l'ont soutenu. On m'a proposé de faire un atelier dans un lycée en parallèle d'une résidence beaucoup plus longue et beaucoup plus ancrée avec les différents acteurs du plateau, menée par l'écrivain François Bon. Donc on est parti ensemble. Ce que j'avais proposé, c'était de faire une sorte de safari photo sur le plateau de Saclay. Donc on est parti en bus avec un bus plein de d'élèves, je ne sais plus exactement dans quelle classe ils étaient, mais ils étaient dans une filière technologique, mais à quelle vous savez vraiment tout. Et vous nous direz ce que vous en avez pensé, alors peut-être si vous savez. Et on est allé photographier des ronds-points et des routes. On leur a donné quelques appareils photo, si je me souviens bien. C'était surtout des téléphones portables. On s'était vu, je crois, non, on s'était pas vu avant. Je leur avais juste expliqué, et François Bon aussi leur avait expliqué la manière dont il interprétait ce qu'on était en train de faire.
Et puis on leur avait donné comme ça quelques consignes qui étaient surtout de ne pas avoir de consignes. Et puis on a passé quelques heures comme ça dans un bus à s'arrêter à certains endroits pour prendre des photos. Et puis après, on a eu 2-3 séances de retravail sur ces images-là. Moi, je les ai invités à considérer les photos qu'ils avaient prises, y compris celles qu'ils trouvaient bien sûr super nulles, mais qui ne l'étaient pas pour certaines, à essayer de faire un travail qui est un des travaux du photographe, de sélectionner les images. Qu'est-ce qu'on montre, pourquoi, comment on les assemble, etc. C'était, ma foi, une joyeuse expérience, pas tout à fait évidente, mais qui a finalement en fait très bien fonctionné, parce que ces étudiants, ces élèves, très intuitivement, ils ont très bien compris de quoi il s'agissait, et ils ont fait, parmi leurs travaux, leurs photos, il y avait des super belles photos. Et après, j'ai essayé de les restituer dans le cadre d'une petite exposition qu'il y avait sur le plateau de Saclay, où se retrouvaient plusieurs travaux d'artistes qui intervenaient sur le plateau de Saclay. J'ai présenté ce travail-là sous la forme d'un livre diaporama qui n'a été montré qu'une fois comme ça, mais c'était une tentative finalement relativement similaire à celle que je propose dans le livre, à ceci près que, comme c'est pas un mais plusieurs photographes, il y a une explosion de diversité de photos. Mais j'avoue que leurs photos, effectivement, je regrette infiniment de ne pas pouvoir les montrer parce que on n'a aucune autorisation. Ils se sont photographiés les uns les autres. Enfin bref, c'est pas du tout possible de les exploiter, je pense, légalement. Mais elles sont très belles et elles racontent énormément de choses de ce plateau. Enfin, j'ai comme ça des images de photographies où on voit en contre-jour la fenêtre du bus et puis le paysage qu'il y a derrière, et ça me renvoie à des images du grand cinéma ou du grand film d'époque où on voit comme ça ces paysages à travers la fenêtre d'un carrosse. Enfin, il y a des images qui ont été produites à ce moment-là extrêmement puissantes. Il y en a d'autres, mais voilà. Je suis vraiment désolée. Ah bon. C'était un peu ce que je voulais vous dire. Je voudrais juste conclure rapidement, si vous m'autorisez quelques mots. Elle le dit combien de fois ? C'est bientôt fini. Donc, alors, juste quelques mots pour conclure, parce que il est l'heure, vous l'avez entendu. Et vraiment, pour alors le terme est galvaudé, mais je vais quand même rebondir sur cette dernière narration de Ferretti, l'expérience. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé ou dont je ne me souviens pas ce soir, mais qui m'avait marqué quand même, qui est un terme utilisé par Paul Lombel à un moment donné dans sa présentation de France Territoire Liquide, mais qui s'applique à mon sens au travail que vous avez mené, Antoine Saclay, et à ces démarches en général de prise en charge de la question du territoire par tous, dans une démarche finalement que l'on peut qualifier de citoyenne, hein, si le terme peut prendre sa place ici. Et le récit hein, de ce travail avec les jeunes élèves, voilà, c'est vraiment la question d'un regard citoyen sur son territoire. Peut-être un petit chapelet de mots qui me semble assez révélateur de ce soir, les termes d'expérience, de fragments, de paysage au pluriel, de tentative, de fiction sensible, mosaïque, inachevée, peuvent à mon avis faire une mosaïque un peu des questions qui ont été abordées. Et sur ce, je vous conclurai et vous inviterai à poursuivre la conversation hors de ces magnifiques murs qui nous accompagnent. Et je vous redonne rendez-vous le 16 avril pour la prochaine conversation, je ne serai plus là, autour des livres Beyrouth sous mandat français, construction d'une ville moderne de Marlène Corayeb, en regard des livres Intensif Beyrouth de Youssef Thomé et de celui d'Éric Verdel, Beyrouth et ses urbanistes, une ville en plan 1946-1975, en présence des auteurs, et Mercedes Volet assurera la modération de la soirée en prenant ma place. Merci beaucoup.